La mère gynéco-obstétrique en Afghanistan, je vous assure, je vous l'ai déjà dit, on aura besoin de vous tous et je dois signaler qu'actuellement il y a Agnès Simon, sage-femme, et Michel Muret, gynéco-obstétricien, qui sont actuellement à Kaboul pour retravailler le projet médical et donc les choses avancent. Cette première pierre a été posée en présence de Laurent Fabius, de son Altesse Laga Khan et en présence du président Karzai également. C'était un moment extrêmement fort. Et donc maintenant, il va falloir commencer les travaux. Vous savez qu'on a un petit problème de jonction entre les devis et les appels d'offres. Il nous manque encore 1,5 million, mais on a décidé de commencer et il y a toujours eu une bonne étoile sur cet hôpital. J'espère que ça durera et qu'on pourra continuer. Aujourd'hui, c'est un moment très fort des lundis de la chaîne. Moi, je suis extrêmement heureux et également fier que Antoine Sfer puisse venir ce soir parler dans le cadre des lundis de la chaîne. Alors Antoine Sfer, le présenter, c'est très difficile parce qu'on a fait sa bibliographie. Je dirais d'abord que c'est un ami de Paul Nahon. C'est déjà... et Paul m'a dit, ça fait 30 ans que je le connais, et dès que j'ai un problème, un doute sur, je dirais, le monde arabe, il vous téléphone et il m'a dit, tu vas voir, il est extraordinaire. Et je crois que beaucoup d'entre nous l'ont écouté sur de multiples émissions. Alors, moi, je voulais juste vous dire un petit mot, parce que vous présentez, il y aurait beaucoup de choses à dire. Bien sûr, vous êtes fondateur et directeur des Cahiers de l'Orient. Je crois que c'est votre fonction essentielle qui est basée sur, qui est une sorte de fenêtre ouverte sur la Méditerranée et qui est quand même basée sur la francophonie. Vous avez écrit énormément de livres. Je crois que le prochain va paraître en janvier. Je crois que vous m'avez parlé chez Grasset, votre prochain livre. Alors, ce que vous allez nous exposer ce soir est particulièrement important pour nous, chacun. Je veux dire, chacun, on est passionné de ce que vous allez dire. Mais je crois qu'au niveau de la chaîne, c'est particulièrement important, car la chaîne a un tropisme d'actions qui sont basées sur tous les pays que vous allez évoquer. Je rappellerai, pour ceux qui ne savent pas, qu'il y a une chaîne de l'espoir Liban, que Alain a fondée, il y a une chaîne de l'espoir Iran, je crois qu'à Gonzague, il y a une grosse mission de la chaîne de l'espoir en Irak. Bien sûr, on est très présent en Afghanistan. On est bientôt, nous allons intervenir en Syrie. José est intervenu en Libye. Donc l'ensemble de ces pays est notre quotidien. Et pour nos décisions, pour tous ceux qui partent, ce que vous allez dire ce soir nous intéresse particulièrement. Et je vous donnerai très rapidement la parole pour donc des printemps arabes aux tempêtes du désert. Merci encore d'être parmi nous ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi que d'être là. Même si mes propos iront parfois contre l'espoir, il reste à faire un réalisme cynique ou cyniquement sain, je ne sais pas. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la carte du Moyen-Orient et dans le vocabulaire anglo-saxon, le Moyen-Orient s'étend jusqu'au Pakistan et l'Afghanistan, cette carte est en train de changer avec une rapidité assez étonnante. Il est certain que ce qu'on a appelé les printemps arabes donne l'impression aujourd'hui de devenir plutôt des hivers sibériens. Néanmoins, une révolution ne se fait pas du jour au lendemain. Dois-je rappeler que la nôtre a sacrifié des Dantons, ensuite pris à leur propre piège les Robespierre et
et les Saint-Just et bien d'autres encore, une révolution connaît souvent aussi la terreur. Nous sommes sans doute à l'époque de la terreur au XXIe siècle, aujourd'hui, et on sent très bien que si la Tunisie, la révolution qu'on a appelée celle du jasmin, a été exemplaire, elle l'est toujours, car les islamistes arrivés au pouvoir ont déjà dû reculer à 3 reprises, grâce bizarrement à une moitié de l'humanité que sont les femmes, qui ont sorti becs et ongles pour défendre leurs acquis. Commençons déjà, si vous le voulez bien, par quelques définitions. On parle d'islamisme, on parle de salafisme. C'est quoi? Si nous lisons Chateaubriand et ses mémoires d'outre-tombe, islamisme est l'équivalent de judaïsme, de christianisme. Ce n'est qu'en 1983 que 2 chercheurs français d'Aix-en-Provence, Bruno Etienne et Gérard Michaud, ont voulu donner un concept nouveau qui réunissait à la fois celui de l'intégrisme et du fondamentalisme appliqué à l'islam. Et ils ont réinventé le mot de l'islamisme. Autrement dit, l'intégriste est celui qui s'attache à l'intégrité du texte, quel qu'il soit. Le fondamentaliste est celui qui transpose cette intégrité dans ses comportements, dans ses attitudes, dans ses postures. Et les deux donnent en islam le fondamentalisme. Cela dit, les salafismes, c'est quelque chose d'autre. L'islamiste veut ré-islamiser ou islamiser le champ social, le champ judiciaire, le champ administratif dans lequel il vit. Il s'attaque pour cela au pouvoir, ou du moins au rouage du pouvoir. Tandis que le salafisme est totalement différent. C'est un peu le rival de l'islamisme. Salaf en arabe veut dire le vrai, le pur, l'originel. Eux veulent transformer la société. Ils veulent que la société revive exactement comme le prophète et ses premiers compagnons. Mais, encore une fois, attention aux amalgames. Tout arabe n'est pas musulman. Vous en avez un devant vous. Je suis arabe jusqu'au bout des ongles, depuis le 12e siècle au moins. C'est là où j'ai pu arriver dans la chronologie et dans la généalogie. Mais je fais partie de ces 15% d'Arabes qui ne sont pas musulmans. Tout musulman n'est pas islamiste. En France, on a l'impression que tout le monde est islamiste. Il s'appelle Mohamed, Mohamedou ou Mamadou pour les Africains, subsahariens ou Riyad ou Kamel, etc. Non. Selon toutes les études et estimations faites depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui, plus de 25 ans, par l'organisation théo-catholique, il y aurait réellement 10% des musulmans en France qui seraient proches du salafisme ou de l'islamisme. J'entends 85% des Français se réclament du catholicisme, 15% sont pratiquants, nous avons exactement les mêmes proportions à l'islam. Maintenant, on vous dit, non, il y a beaucoup plus de pratiquants français et musulmans pratiquants, c'est pas vrai. Pratiquer l'islam n'est pas donné à tout le monde. Pourtant, c'est très simple et en même temps très compliqué. Le livre saint, le Coran, qui au départ était uniquement oral, Al-Qur'an, qui veut dire la récitation, puisque le prophète n'a fait que réciter la parole de Dieu à travers l'ange Gabriel. Donc, c'est très clair. Le livre saint nous dit qu'est-ce qu'il faut pour être un bon musulman. Il faut témoigner en premier lieu. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son messager. La ilaha illallah wa Mohammed rasulallah. Autrement dit, dans cette phrase, il n'y a de Dieu que Dieu, il y a 2 concepts. À la fois le Dieu unique, mais également l'unicité de Dieu. Pourquoi cette insistance sur l'unicité de Dieu? N'oubliez pas que l'islam a été
créé, a été révélé au 7e siècle. Avant, il y a eu 7 siècles. Et pendant les 5 premiers siècles, tout cet Orient proche et moyen était dominé par le christianisme et le judaïsme. Or, les chrétiens se sont déchirés pendant 5 siècles. On l'oublie. Vous êtes pour moi que des chrétiens d'Occident. Bien qu'on m'appelle en France un chrétien d'Orient, c'est comme si on parlait des crevettes à l'armoricaine. Ne vous en déplaise, il n'y a de chrétiens qu'en Orient. Vous êtes descendant précisément d'hérétiques ariens. Enfin, depuis la Seconde Guerre mondiale, on dit plus ariens, on dit arianistes. Quand Clovis est baptisé, il n'a pas christianisé la France. Il a rattaché la cinquantaine de diocèses à rien, à Rome. C'était un baptême politique. Alors, qui c'est les arianistes? C'est les descendants du prêtre Alexandrin Arius, qui lui est un des premiers détachés de ce corps qu'on appelle l'Église. Mais, entendons-nous, sur quoi discutait-on à ce moment-là? Les communautés chrétiennes qui étaient toutes des communautés nationales, des Arméniens, des Coptes, le nom de l'Égypte, Coptos, que les Grecs ont transformé en Aegoptos, Égyptos, Égypte, eh bien, ces communautés discutaient d'un sujet qui nous ferait sourire aujourd'hui, la nature du Christ. Était-il Dieu et homme dans une seule nature? Avait-il une nature humaine ou une nature divine séparée? Et tout cela a suscité non seulement sept conciles œcuméniques, c'est-à-dire qui réunissaient toutes les communautés chrétiennes, mais également beaucoup de schismes, dont les deux plus importants, les Ariens et les Nestoriens. Nestorius n'était pas un simple curé, ni un simple exégète, c'était l'archevêque de Constantinople. C'était pas le moindre des personnages, quand même, qui lui a décidé, a dit, après avoir argumenté, le Christ a deux natures, une humaine et une divine. C'est bien pour cela que Marie n'est pas dite Théotokos, la mère de Dieu, chez les Nestoriens. Or, si les Ariens sont montés vers l'Europe, les Nestoriens sont partis vers la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak aujourd'hui, et également vers la péninsule arabique. Et l'un des bourgs les plus importants chrétiens de la région se trouvait à la frontière entre l'Arabie saoudite actuelle et le Yémen, c'est-à-dire le bourg de Najran. Et deux, un évêque et un moine, Al-Buhayra et Nawfal ibn Waraqa, vont, parce que l'un était le cousin de Khadija, l'épouse du prophète, enseigner les rudiments de la Bible et des Écritures à Mohammed, le caravanier au départ, qui est devenu le prophète de l'islam. Ils ont enseigné les rudiments, et c'est précisément pour ça que Mohammed insiste sur l'unicité de Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est son messager. Si je le disais devant vous toutes et vous tous qui êtes de bons musulmans, je vous donnerais le droit de me considérer comme un musulman, autrement dit un soumis à Dieu. C'est le sens même du mot aslama, se soumettre, sous-entendu à Dieu. Le second pilier de l'islam, c'est la prière. La prière se fait au départ vers Jérusalem. Mais, comme vous le savez sans doute, la prédication mahométane est divisée en deux très clairement. La première se fait à la Mecque, avec une articulation autour des relations de l'homme avec son Créateur. Et là, elle s'inscrit totalement dans la droite ligne des Écritures, le Talmud et la Torah, la Bible et les Évangiles. Et la preuve, c'est que la prière se fait vers Jérusalem. Quand Mohammed est chassé de la Mecque par le clan qui dirigeait cette ville qui est un leroutier, cette ville qui a basé sa fortune sur
le polythéisme, je devrais dire uniquement les déesses, parce que chaque caravane, chaque produit avait sa déesse, eh bien, il a écrit vers Médine, qui s'appelait la tribe, qui est devenue Médine al-Nabi, la ville du prophète, d'où contractée en Médine, à 500 km au nord de la Mecque. Et à Médine, la prédication s'articule autour des relations de l'homme avec les autres hommes, car il a fallu édicter des règles de vie entre les musulmans, les musulmans. Donc la prière, 5 prières par jour qui ponctuent le quotidien du musulman. La troisième, toutes les religions connaissent ce pilier de l'islam, c'est-à-dire le jeûne qui se déroule au cours du mois lunaire de Ramadan et qui est le mois, comme les Kippour, un peu du pardon, du tassamah, mais également du lavage de tous les péchés, de toutes les turpitudes de la vie quotidienne. Et non pas, comme on nous le présente souvent, comme étant la fête de la Gamboula, le soir, dès qu'il y a la rupture de jeûne. Au contraire, c'est là où le musulman rentre en lui, médite et pense à sa famille, à ses proches, à ses enfants et à toute la lignée qu'il a mis au monde. Le quatrième est intéressant parce qu'il est socio-économique. C'est le zakat, qu'on traduit souvent par charité. C'est faux. En arabe, la charité, c'est sadaqa. Le zakat, c'est un impôt obligatoire religieux qui fait obligation à chaque musulman de donner, selon l'école juridique théologique à laquelle il appartient, de 2,5 à 10% de ses bénéfices et non pas de ses revenus à la communauté des croyants, c'est-à-dire la Oumma. Revenons à la racine arabe. Oumma, O-U-M, la mère qui enfante, la mère qui protège, la mère qui nourrit. Et à partir de là, il y a une solidarité intracommunautaire. Le génie de Mohammed, en arrivant à Médine, est de dire à ses compagnons, vous n'êtes plus d'une tribu, d'une famille ou d'un clan. Vous êtes désormais de l'islam. Et en tant que musulmans, musulmans, qui se sont soumis à Dieu, vous êtes tous égaux comme les dents d'un même pays.